Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette italienne, les pâtes à l'arrabbiata. C'est super facile à faire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Quand vous êtes pressé, vous faites cuire des pâtes, vous préparez la sauce, allez, en moins de 5 minutes. Bon, il y a le temps de cuisson des pâtes, ok, mais en moins de 5 minutes, la sauce, elle est prête. Vous verrez que cette petite sauce peut servir pour pas mal d'autres choses, donc je vous dirai tout ça pendant la vidéo. En attendant, la liste des ingrédients est juste là, en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tout chez Lidl. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette recette, on aura besoin de pâtes, de la pulpe de tomate, d'un oignon, de l'huile d'olive, de gousses d'ail, du poivre, de la purée de piment, du sel, du basilic et du parmesan. On va commencer avec la préparation des pâtes. Regardez quand même le temps indiqué sur le paquet parce que ça peut varier. Là ici c'est 8 à 9 minutes, c'est parfait, c'est rapide. Je chauffe un grand volume d'eau, je vais le porter à ébullition avec une pincée de gros sel. Je vais couvrir et quand ce sera à ébullition, on va ajouter les pâtes. Ça je vais le réserver et on va s'occuper maintenant de la préparation super express, vous allez voir. Je vais déplacer ma casserole de pâtes, comme ça je vais pouvoir préparer ma petite sauce tranquillement. Allez, c'est parti. On continue avec l'oignon blanc. Je vais couper les tiges, mais je les conserve. Alors, sauf les parties qui sont abîmées, hein, vous les retirez. Pensez par contre à bien laver parce qu'il y a une partie un petit peu terreuse. Ça serait embêtant, mais ça se consomme. Ne les jetez surtout pas. Hein. Là, je vais juste enlever la première pellicule qui est pas très belle. C'est comme pour les poireaux, souvent c'est un petit peu abîmé. Et là, je vais simplement venir hacher finement. J'utilise un oignon nouveau, mais vous pouvez utiliser un oignon jaune. C'est très très bien. Mais pas un oignon rouge parce que l'oignon rouge est beaucoup plus doux, donc pour cette recette on veut quand même quelque chose qui pique, qui arrache. Ça c'est bon, je vais réserver pour l'ail. J'adore cette méthode. On retire les deux extrémités. Vous savez que les pâtes arrabbiata, c'est une recette que les Romains aiment beaucoup, c'est un de leurs plats favoris. Et arrabbiata en italien qui veut dire fâché, en colère, parce que ceux qui dégustent cette recette, c'est tellement chaud, tellement pimenté qu'ils deviennent tout rouges. Je vais hacher l'ail finement. Alors dites-moi si vous avez déjà goûté cette recette en Italie. Moi, j'ai jamais eu l'occasion, j'aimerais bien un jour. J'ajoute les pâtes et je vais porter à ébullition. Je vais baisser le feu et c'est parti pour 8-9 minutes de cuisson. Je vais passer maintenant à la cuisson. Juste les petites tiges, je vais les garder. Alors, soit vous les ajoutez tout de suite en cuisson, soit vous les gardez avec le basilic pour faire une petite déco à la fin. J'adore ça, c'est trop bon, ça remplace la ciboulette. Ne les jetez pas. Alors, je vais prendre une poêle, je vais allumer le feu et sur un feu vif, on ajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est généreux. Je vais juste attendre un petit peu que l'huile d'olive monte en température. Évitez d'ajouter vos ingrédients dans une huile qui n'est pas assez chaude parce que ça risque d'être un petit peu trop gras et vous allez rater votre dorage. Je vais ajouter l'ail avec l'oignon. On va les faire revenir tous les deux tranquillement. Je continue avec le piment. Alors là, c'est de la pâte de piment, purée de piment. Mais si vous avez un petit piment frais, rouge ou vert, c'est très très bien. Ou alors du piment de Cayenne aussi. Là, on va faire revenir les saveurs. C'est très rapide, hein, 20 secondes. Sur un feu vif, ça sent super bon. Regardez, c'est coloré. Ça va être pimenté, hein. Je vais ajouter les tomates pelées, mais vous pouvez aussi ajouter la pulpe de tomate. C'est parfait. On verse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement écraser les tomates comme elles sont entières. Et on va laisser revenir tranquillement comme ça. Aïe, ça fait 5 minutes que ça mijote tranquillement. Ça sent super bon. Je vais pouvoir poivrer. Je vais couper le feu. Je vais drainer l'eau des pâtes. Je vais garder, attention, petite astuce, je vais garder une louche d'eau de cuisson des pâtes. Les Italiens le font beaucoup. Ça épaissit la sauce. Ça lui apporte une texture, une petite onctuosité. Je saurais pas vous dire, mais c'est assez magique. Franchement, pensez-y. Donc, gardez bien une petite louche d'eau de cuisson des pâtes. J'ai donc égoutté les pâtes. J'ai conservé une louche d'eau de cuisson. Je vais les ajouter directement à la préparation, la petite sauce qu'on vient de réaliser. Donc, c'est parti. On mélange bien. Et alors, sachez que à cette étape-là, vous n'êtes pas obligé d'ajouter des pâtes. Vous pouvez utiliser cette petite sauce pour faire, par exemple, des fonds de tarte. Une tarte à la tomate, une tatin à la tomate. Vous mettez ça au fond. Ah, je peux vous dire que ça apporte du peps. Hein. C'est super bon. On peut s'en servir aussi pour faire des petites dips, comme une petite sauce apéritif avec des petits légumes pour l'été, là, des petits légumes croquants. On trempe dedans. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de mixer un petit peu plus la sauce pour avoir quand même moins les morceaux de tomates pelées. On mélange bien. Vous vous souvenez, j'ai gardé les tiges de l'oignon nouveau. Je vais l'ajouter maintenant. Alors moi, je préfère ajouter les herbes fraîches sur la fin. Ça dépend des recettes, mais là, j'avoue que sur celle-ci, j'aime bien garder le croquant, la fraîcheur. Si vraiment vous n'aimez pas le basilic, vous pouvez remplacer hein, du persil plat, persil frisé, de la ciboulette. Je les hache, mais vraiment grossièrement. Hein. C'est parti, on ajoute tout ça.
on remélange. Allez, on va dresser tout ça dans une jolie assiette. Juste aller chercher un ustensile plus pratique. On y va. Oh, regardez, c'est coloré, c'est généreux, ça sent super bon. Piment, basilic, on va ajouter du parmesan. Si vous n'avez pas de parmesan, vous pouvez utiliser du pecorino, un autre fromage italien. Ou pourquoi pas même de la ricotta, c'est trop bon la ricotta aussi. Suivant l'appétit de chacun, c'est allez, pour 4 personnes, mais si vous êtes très bon mangeur, pour 2. On ajoute du parmesan. Oh là 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 là. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà réalisé cette recette. Je veux tout savoir. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao !